Et puis en Syrie, le rêve d'un califat s'éloigne aussi chaque jour un peu plus pour l'organisation État islamique. Ces dernières heures, c'est la petite localité de Dabiq, à peine 3000 habitants à une trentaine de kilomètres d'Alep, qui a été libérée. Une victoire symbolique de l'armée syrienne libre, appuyée par l'aviation turque. La Turquie qui annonce mettre le cap à présent sur Al-Bab. Cécile Galoutchou. Après de violents combats avec le groupe État islamique, ces rebelles syriens remercient Dieu. Car avec l'aide des tanks et des avions turcs, ils viennent de prendre le village de Dabiq, aux djihadistes. Une localité située au nord-est d'Alep, à une dizaine de kilomètres de la frontière turque. Si Dieu le veut, nous avancerons jusqu'à Raqqa, puis encore plus loin. Ce nouveau recul de l'organisation de l'État islamique fait figure de mauvais présage. Car selon une prophétie sunnite, c'est à Dabiq que devait avoir lieu l'ultime bataille entre les musulmans et les infidèles. C'est d'ailleurs pour cette raison que Dabiq est aussi le nom d'un des principaux organes de propagande du groupe. Ce n'est pas la grande bataille dont a parlé le prophète. Vous n'êtes pas ceux que le prophète a cités, vous êtes hors la loi, vous êtes des chiens. Si vous ne revenez pas à la raison, vous allez être sévèrement punis. Malgré cette perte de Dabiq, l'organisation de l'État islamique contrôle toujours en Syrie la plus grande partie du bassin de l'Euphrate. Mais ce qu'elle appelle son califat s'est réduit de près d'un quart en un an et demi.